Bonjour à tous, c'est Xoxon de Planète Zozo et aujourd'hui on est parti pour un quatrième tutoriel dans lequel je vais vous apprendre comment capturer correctement le flux vidéo ou audio, que ce soit sur console ou sur PC. Je fais ce tutoriel car une bonne moyenne de gens, de youtubeurs, utilisent des outils vraiment inadaptés pour filmer leur console ou leur PC même. On peut même voir des fois des caméras. C'est un peu chelou, hein, mais utiliser une caméra pour filmer sa télé, ça rend pas vraiment très beau. Alors je fais ce tutoriel, il va se dérouler en deux parties. La première sur console, car je sais que la plupart des gens qui veulent faire un gameplay commenté utilisent une console et non pas un PC, donc on va commencer par la console. Et en second temps, on fera sur PC, et je vous apprendrai les différents logiciels que l'on peut utiliser pour capturer sur PC. Et je vous apprendrai comment les configurer correctement. Alors, commençons donc par la console. On va commencer par la capture vidéo sur console. Tout le monde sait que l'HDPVR, c'est le mieux. Il y a aussi l'Aver Media, mais on n'en parle pas beaucoup. Mais on va parler surtout de l'HDPVR, là, donc. L'HDPVR, c'est assez cher. C'est pas disponible pour tout le monde. Mais avec ça, on peut filmer dans une qualité vraiment exceptionnelle, c'est-à-dire en 1080p, ce qui est la meilleure qualité possible, je pense, hein. Mais il faut savoir que pour l'HDPVR on compte à peu près 150€. Mais si vous pouvez vous l'acheter, il faudra donc le configurer. Pour ce faire, je vous conseille donc les tutoriels disponibles sur Planète Zozo qui vous apprendront comment configurer correctement l'HDPVR sur PS3 ou sur Xbox 360. Alors les liens s'affichent peut-être à l'écran, je sais pas, peut-être dans la description, non, mais c'est sûr dans la description déjà. Mais sinon, c'est pas grave. Bon, ensuite, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que c'est pas à la portée de tout le monde, 150€. Et donc, j'ai cherché une autre méthode pour que tout le monde s'y retrouve. Et j'ai trouvé la EasyCap. Alors, la EasyCap, c'est une petite clé USB 2.0. Donc, qui permet de capturer le flux vidéo et le son de notre console. Que ce soit la PS3. La Xbox ou même la Wii. C'est une petite clé, hein, une qui coûte à peine 15€, qu'on peut trouver à beaucoup d'endroits, hein, sur Amazon, etc. Vous pourrez l'acheter très facilement. Et franchement, la qualité de rendu est vraiment très acceptable pour 15-20€. D'ailleurs, je vous fais part de cette petite vidéo qui a été faite avec EasyCap. C'est un test, donc on va la regarder. Alors si vous ne la voyez pas correctement cette vidéo, je vais la mettre dans la description, vous pourriez y accéder directement. Mais ce qu'il faut savoir, hein, même sans la regarder, c'est que la qualité est vraiment très acceptable. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal, on peut filmer en HD 720p je crois ou 480, ça dépend. Mais voilà. Alors ensuite, pour la capture audio sur console... Oui, donc je mettrai un tutoriel aussi pour configurer la EasyCap, si vous voulez l'acheter. Un tutoriel qui est disponible sur Planète Xoxo, encore une fois, ou dans la description. Je vais la mettre aussi peut-être le lien sur l'écran, il s'affiche peut-être en ce moment, je ne sais pas. Et donc voilà, on a fini pour la capture vidéo, et on va donc passer à la capture audio. Donc pour la capture audio, sur console, je vous conseille un casque de gamer. Oh, il y en a plein de marques différentes, hein, je sais pas lequel vous conseillez. Ou alors, bon, on sait que ça coûte cher, donc c'est pour ça que je vous propose une seconde solution. Donc, ou alors, vous pouvez utiliser des trucs pas chers, comme ou le dictaphone intégré à votre téléphone, smartphone, hein, ou celui de votre PC, ou encore mieux, le logiciel Audacity. Vous pouvez vous poser votre PC à côté, vous enregistrez en même temps. Alors, pour le montage de la console, on va pas en parler, vu qu'on fait la capture. On va parler donc de la capture vidéo sur PC maintenant. Sur PC, il faut savoir que pour... on va séparer les logiciels en deux catégories différentes. La première pour les jeux vidéo en FPS en 3D, tels que Call of Duty, World of Warcraft, Skyrim, etc. Donc pour ces jeux vidéo, je vous conseille Fraps,
qui me paraît le meilleur logiciel. J'ai essayé DxStory et Playclaw, mais pour moi, Fraps restera toujours le meilleur. Il nous donne une qualité vraiment acceptable, pas trop de lag, etc. Alors après, DxStory se suit aussi avec Fraps, hein, c'est quasiment pareil. On reçoit quand même... Enfin, moi, je subis pas mal de lag avec DxStory, donc je sais pas si je vous le conseillerais pour des jeux en FPS. Par contre, donc, on va passer à notre deuxième catégorie, les jeux tournant sous Minecraft. Comme Minecraft, je veux dire, les jeux tournant sous Java, comme Minecraft. Et donc là, je vous conseille DxStory, qui est vraiment parfait pour ce genre de jeu. Et tandis que Fraps, il fait laguer quand on filme en même temps. Mais je vous conseille DxStory, qui ne fait pas laguer. Et Camtasia, le logiciel que j'utilise en ce moment pour filmer l'écran. Alors, il faut savoir que pour Skyrim aussi, certaines fois... ça lag avec Fraps, donc je vous conseille d'essayer avec DxStory. Il faut savoir que tous ces logiciels, ils sont disponibles en version complète. Enfin, je vous expliquerai comment les avoir en version complète, pas très légalement bien sûr, sur Planet Xoxo. Vous pourrez trouver les liens encore une fois dans la description ou dans notre vidéo. Il va peut-être s'afficher à l'écran. Et on va donc parler de la dernière catégorie pour la capture vidéo sur PC. Ce sont les captures vidéo hors jeu pour filmer vos logiciels, vos tutoriels sur des logiciels, ou comme je fais tout de suite en ce moment. Alors, donc, pour capturer hors jeu, le meilleur logiciel à mes yeux, c'est Camtasia. Et franchement, c'est un truc vraiment parfait, je le trouve parfaitement. À part au niveau du son, du microphone, où je dois vraiment parler assez proche, pour que vous ayez une qualité assez correcte. Mais sinon, franchement, à la capture vidéo, vous le réglez en 15-30 FPS, frame par seconde, hein. Et là, franchement, vous aurez vous pourrez filmer vraiment en très bonne qualité ce que vous faites sur votre écran. Et vous pourrez aussi zoomer, etc. C'est ce que je fais sur mes vidéos. Donc voilà. Donc je peux vous montrer comment on configure Fraps et DxStory. Donc Fraps, je vais l'ouvrir. Voilà. On arrive donc sur une fenêtre comme ça. En FPS, on va dans l'onglet, donc je vous conseille de cliquer sur Hide Overlay. Sinon, vous aurez dans le petit coin, quand vous filmerez le jeu, une petite icône qui affiche votre nombre d'images par seconde. C'est pas très utile, moi je trouve. Donc, vous sélectionnez Hide Overlay. Ensuite, on va aller dans l'onglet Movies. Et là, donc, on va sélectionner le dossier où on compte enregistrer sa vidéo quand elle sera finie, enfin où elle va s'enregistrer d'ailleurs pendant que vous l'enregistrerez. Donc je vous conseille d'aller sur un autre disque dur, sinon ça va laguer parce que la vitesse d'écriture ne sera pas suffisante. Ensuite, donc une fois que ceci est sélectionné, vous pouvez choisir la touche pour activer l'enregistrement vidéo. Moi, j'ai choisi F9. Mais vous pouvez choisir une autre touche. Ensuite, je vous conseille de sélectionner donc Recon Vista Sound. Moi, c'est le haut-parleur, le son du jeu. Mais aussi, on peut sélectionner le microphone avec ces petites... Enfin, si on sélectionne ces deux. Pour finir, on va donc sélectionner les FPS. Je vous conseille en 30 FPS si vous avez un ordinateur normal, pas super performant. Bon, par contre, si vous avez un ordinateur bien sûr super performant, vous pouvez utiliser 60 fps, qui donnera une qualité énorme. Bon, par contre, il faut que je vous prévienne quelque chose. Il faut que vous ayez beaucoup de place sur votre disque dur, car une vidéo d'une minute prend à peu près 1 giga. 1 giga par minute, hein. C'est énorme, mais bon, c'est par rapport à la qualité, c'est pour ça. Donc, on a fini sur Fraps. On va essayer de configurer DxStory. Alors, pour DxStory, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a beaucoup de configurations différentes. Moi, je vous propose la mienne, hein. C'est pas la plus parfaite, c'est pas la meilleure, mais c'est celle que j'ai et j'arrive à filmer correctement Minecraft, tous les trucs comme ça. Donc, on va partir d'ailleurs dans le premier onglet, il n'y a rien à changer. Deuxième onglet, il n'y a rien à changer. Troisième onglet, on va utiliser notre dossier. Donc, vous faites Add Folder, vous allez chercher le dossier où vous voulez stocker vos vidéos. Et ensuite, vous allez cliquer ici, quand il apparaîtra là, sur la vitesse d'écriture. Et là, vous remplacerez 0 par 71. 71. Hein. Donc, une fois que ceci est fini, on passe à l'onglet d'après. On sélectionne la touche pour activer ou stopper la capture, etc. L'onglet d'après,
vous allez sélectionner le codec. Vous allez aller dans codec, vous allez cliquer sur show configuration, la petite icône à droite, et puis vous sélectionnez ou true quality ou medium quality et on compresse. Donc vous prenez un des deux, c'est celui que vous voulez, hein. Vous essayez les deux si vous voulez, ou true ou medium, pas high ou low, hein, ça sert à rien. Ensuite les framerates, donc FPS, on va remettre 30 ou 60 en fonction de votre ordinateur. Donc un ordinateur normal, je le rappelle, c'est 30. Si ça lag, vous baissez, il n'y a pas de souci. Ensuite, en audio, vous allez cliquer sur Use Default Setting. Vous allez sélectionner Record Vista Sound. Vous allez sélectionner votre haut-parleur. Vous allez cliquer sur Plus. Vous allez cliquer sur votre microphone si vous le voulez. Voilà. Ensuite, screenshot, hein, je vous laisse faire. Etc. Et là, c'est fini. On a fini la configuration de Dextory. Audacity maintenant, on va passer à ça. Donc Audacity, c'est un logiciel qui permet de enregistrer votre son. C'est le logiciel que je vous ai proposé pour enregistrer le flux audio sur console. Donc pour utiliser Audacity, on appuie sur enregistrement et on parle. Et on parle, et on parle, et on parle. Et là, on peut voir que lorsque je parle, des petites barres s'affichent pour montrer que ça enregistre. Ensuite, vous pouvez régler, enfin supprimer des parties, faire comme vous voulez, et ensuite vous exporter. Et puis voilà. C'est très simple comme logiciel. Mais ça sert à rien de l'utiliser sur PC parce que sur PC, je vais en parler maintenant. Sur PC, pour la capture audio, tous les logiciels que j'ai proposés au-dessus, donc, ils possèdent la possibilité d'enregistrer le son des haut-parleurs et le son du microphone. Il y a juste à les régler comme on vient de le faire d'ailleurs, à part sur Camtasia. Mais je pense que sur Camtasia, vous trouverez très facilement comment le régler. Bon, par contre, un conseil pour votre microphone, utilisez un micro-casque ou alors un micro sur pied, mais d'une marque renommée. Mais n'utilisez surtout pas le micro intégré à votre PC portable. La plupart du temps, la qualité sera faible. Donc, pour finir, le tutoriel est donc arrivé à sa fin. On a donc appris à capturer correctement le flux vidéo et audio sur console et sur PC. J'espère que ce tutoriel vous aura servi. Si vous pouviez aller faire un petit tour sur notre site web, vous abonner à notre chaîne bien sûr, et regarder nos vidéos, j'espère vous apprendre pas mal de choses. Et à la prochaine et merci!